fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous voici pour ce nouveau numéro pour parler de la situation qui se passe au sein de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons un peu moins nous allons choquer un peu les lois ébellées. Parce que la situation que le Canada de la République démocratique du Congo, ça demande il y a eu mon salaire, yo congolais, il y a un gars congolais, n'a même de quoi dans la diaspora, tout le monde et c'est mêlé à côte à côte pour ramener le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la question qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment question Oyo, il y a Sud Kivu, dossier, il y a province avec Sud Kivu, où en sommes-nous? Est-ce les paroles? Il y a UNC, le bata été, ce qui a joué, gouvernera, il y a Sud Kivu, Goma et Kotombe. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est visé. Est-ce qui dit mieux, qui dit vrai? Nous allons parler des invalidés dans la Cour constitutionnelle parce que le dossier est encore en cours. Bah, invalidé, nous sommes sur le dossier, il y a la Cour constitutionnelle. Nous allons relever la bah, situation des bah, députés nationaux invalidés. Et donc, au bête à ma solo, na au Italie, République démocratique du Congo, tant que l'on va course, na perchoir, et assemblée nationale, qui mérite, pourquoi, date au Ezala qui bongo pona élection et bureau définitif et assemblée nationale, bah, poussi, en gros, bah, suspendre même. Qu'est-ce qui se passe pour na choix, y a présidence et assemblée nationale, mais bongo toko tuna motuna, comment se comporte, bah, Wazale, non, la front. Mon salaire est autant pour la négligence. Histoire est à front. Parce que tout le monde a la ligne tournée vers poste ministériel, vers formation à gouvernement, vers perchoir et assemblée nationale. Mais question sécuritaire. Front a vu ce que se comporter négligence. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le CG, l'ex-secrétaire général. Il y a parti Mpasa, Ezali Bongo, mon amboka, Jean-Louis Massimango, maître Jean-Louis Massimango, Toko Betanaye Masolo, na o Italie, la République démocratique du Congo, parce que la gestion de la chose publique, n'est que Toko Lobaka, reste publique, secrétaire général Jean-Louis Massimango, oh, bonjour. Bonjour, chers journalistes, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne. Tout à fait. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi lorsque je reçois l'invitation de votre chaîne qui est suivie aujourd'hui, que ce soit sur le plan interne, que ce soit à l'extérieur de notre pays, par rapport à la qualité du travail, la communication la plus sincère, la plus meilleure et une communication de proximité. Tout à fait. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de répondre à votre invitation, pas seulement comme politique, mais aussi comme nationaliste et compatriote de la République démocratique du Congo. Donc, la situation politique du Congo m'intéresse, la situation politique du Congo me concerne. Aujourd'hui, vous faites partie de cadre de l'Union sacrée parce que Mpasa et aussi se retrouve dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, la grande problématique aujourd'hui sur la désignation du président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe, secrétaire général Jean-Louis Massimango? Certainement, je suis dans l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée. Quand je dis nous sommes dans l'Union sacrée, c'est-à-dire mon parti politique Mpasa, où je suis secrétaire général dirigé par les camarades de Dodo Lutombo Isanda. Nous faisons partie d'un regroupement politique dont les responsables de ce regroupement ASRD et même le président du présidium de l'Union sacrée. Là, je voudrais parler du patriarche Mboso Kodia Mpwanga. Voilà. Je reviens à votre question. Nous avons plus de 500 partis politiques au sein de l'Union sacrée. Le Congo aujourd'hui compte plus de 100 millions de Congolais. Et qu'il est difficile et même impossible que tout le monde se retrouve au sein de l'hémicycle, précisément dans la chambre qu'on appelle Assemblée nationale. Tout à fait. Il est difficile aussi que les 500 députés tous se retrouvent dans le bureau ou bien le perchoir pour diriger l'Assemblée nationale. Cela voudrait dire que nous, comme famille politique, comme plateforme politique aujourd'hui au pouvoir, ayant la majorité parlementaire, nous devons nous organiser en interne pour dénicher cet oiseau rare qui aura le destin de l'Assemblée nationale pour conduire à bon port le deuxième mandat du président de la République. Avant que j'entre dans le fond de votre questionnement ou bien questionnaire,
Je voudrais d'abord ici fustiger les comportements de certains acteurs politiques avec qui nous sommes dans l'Union sacrée, qui envoient certains communicateurs de leur regroupement des partis politiques en perte de vitesse, télécommandés et dépourvus de toutes raisons, de s'attaquer à d'autres leaders que nous retrouvons au sein de l'Union sacrée. Et là, je n'aurai pas ma langue dans la poche ou bien ma bouche dans la poche. Je m'insurge contre le comportement de l'AFDCA, du professeur Bahati Lukwebo, qui est l'un des membres du Présidium, où nous voyons dans plusieurs télévisions de la place, les communicateurs plutôt, de ces regroupements politiques, passer la longueur de la journée, insulter le président Mbosso, qui est non seulement ici le président de mon regroupement politique, mais aussi le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et qui a conduit, vous savez, la période la plus difficile et incertaine, lorsqu'il a fallu casser le mariage FCC-CACH et rester dans la nouvelle configuration de la gestion qu'on a appelée Union sacrée. Il a fallu quelqu'un d'une grande sagesse. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le président Mbosso mérite respect et considération pour le travail abattu et qu'il continue à faire. Tout à fait. Cependant, nous comme démocrates, comme étant dans une situation d'état de droit, tout à fait, nous ne pouvons pas limiter les ambitions de tout un chacun qui voudrait bien aller dans la course de ces perchoirs-là. Donc, que vous soyez Bahati Lukwebo, que vous soyez Vital Kamerhe, que vous soyez le patriarche Mbosso Kodia, et qui quelqu'un d'autre qui est avec nous au sein de l'Union sacrée est libre d'exprimer ses ambitions. Mais le comportement ici de l'AFDC, et là je suis sérieux, clair, le comportement de membres de l'Union sacrée, et je n'invente rien, vous aviez vu un garçon qui a failli perdre la vie, dernièrement tiré aux escaliers, comme si on tirait un chien, comme si on tirait un mouton, et ça se passe où? Là où on appelle le temple de la démocratie. Pareil comportement au sein de notre famille politique doit être fustigé et condamné. Mais parce que les gens de l'AFDC m'ont envoyé, parce que j'ai reçu un des communicateurs de l'AFDC, et il défend Modeste Bahati Lukwebo, je vais citer son nom, Armand Mukulu, il m'a envoyé cette photo que je vous montre. C'est cette photo qui fait débat aujourd'hui. Vous savez, déjà, vous savez, même la technique va aussi balancer. J'ai eu l'occasion de suivre mon ami Armand que je salue en passant. Mais il doit éviter d'être utilisé pour des sales besognes, accordez-moi le terme, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure ici. Vous êtes d'abord en difficulté de le situer. Est-ce qu'il est de l'AFDCA? Et il a quitté la mer même de Cannes au niveau du CCI pour devenir quelqu'un de l'AFDC. Deuxième chose, vous me montrez la photo où le président Mbosso, à l'époque, qui était du FCC, tenait une affiche de dire ne touchez pas à ma constitution. Vous voulez assez qu'on aille à ma boule, s'il vous plaît. Voulez-vous qu'on aille déterrer toutes les images de son autorité morale, Lambert Mende, parce que moi je ne crois pas à son appartenance aujourd'hui à l'AFDC, si ce n'est que peut-être pour des réseaux pécuniaires ou bien des chop-chopo, que je ne certifie pas ici. Mais nous savons le mode opératoire de certains acteurs politiques actuels. C'est un ami, c'est un frère. Et quand je le dis, je vous dis, je le dis en âme et conscience. Mais il doit quitter cette assiette d'être utilisé pour des fins qui ne construisent pas. Pour des fins ou bien finalités qui n'honorent pas ni sa personne, ni la personnalité de la personne de celui qu'il défend. Mais aujourd'hui, CG et Jean-Louis Massimango, parce que la grande question qui reste perplexe au sein de la population est que la population se voit par celui qui va diriger le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et ce sont les trois personnalités qui composent le présidium de l'Union sacrée. Nous avons le président Mbosso, qui fait partie du président de l'Union sacrée. Nous avons le président Modeste Bahati Lukwebo, qui fait partie du président de l'Union sacrée. Nous avons Vital Kamerhe, qui fait partie aussi du président de l'Union sacrée. Mais qu'en est-il de la situation? Qu'est-ce que le chef de l'État dit?
Parce que qui est compliqué? L'Union sacrée est tellement organisée et nous devons respecter le mot d'ordre ou bien consigne qui sera donné par le président de l'Union sacrée, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est quelqu'un qui prend du temps pour dénicher l'oiseau rare. Et vous aviez vu comment cela a été observé au niveau de la primature. Donc, de la même façon qu'il nous a choisi, cette dame aujourd'hui, acceptée par l'ensemble de notre peuple, là je cite notre première ministre, Madame Toulouka, le même travail sera observé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, inutile ici de s'agiter. Mais lorsque nous faisons un recul historique par rapport à la gestion de tout un chacun, nous disons aujourd'hui la flèche de la réussite ou bien la flèche du choix qui peut être opéré repose plus sur le patriarche Mosoko Diampanga par rapport à son passé récent de la gestion de l'Assemblée nationale et par rapport à sa loyauté, son honnêteté, sa sincérité vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de ses collègues députés nationaux, vis-à-vis du travail ou bien de la responsabilité qui revient aux députés nationaux et que le président Mbosso, aujourd'hui, je crois, il peut conduire si le président de la République peut encore lui faire confiance parce qu'il en a les qualités requises pour cela. Mais le reste, ce sont des agitations inutiles. Parlons des agitations. Aujourd'hui, Vital Kamerhe dit qu'il a conduit ses perchoirs, il a conduit ses bureaux au temps et qu'il était encore président de l'Assemblée nationale. Il a mené une gestion orthodoxe. Aujourd'hui, il s'est dit que c'est la même gestion qu'il veut gérer, qu'il veut ramener aujourd'hui à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi Modeste Batulukubo qui dit « Je viens de gérer avec une gestion orthodoxe les Sénats et je dois ramener encore cette gestion au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des images des assistants parlementaires et chassés et même la police a mis la main sur eux parce qu'ils réclament leur salaire. C'est pourquoi aujourd'hui, est-ce Christophe Mbosso va-t-il céder la place ou va-t-il continuer un deuxième mandat au sein de l'État? Vous savez, je suis tenté de me rapprocher de la Bible. Je disais, je suis tenté de me rapprocher de la Bible. La Bible qui nous dit ne pensez plus aux événements passés. Parce que si nous faisons recours au passé de chacun, nous risquons d'aller fouiner dans le passé et personne, je dis bien personne, parmi ceux-là que vous pensez concurrencer ou bien combattre le président Mbosso n'aura pas le temps de résister. C'est pour vous dire que Mutuna Mutu, Azali no Asia Sala pour la République, et la République connaît Nani Azali Nani. Et Nani Akokiko Sala ni. Parce que ma proche Vital Kamerhe Balobi, le président Mbosso a commis ça qui parlement le scène à théâtre. Oyo ako ako soit nana honorable Colette Tshomba ako ako soit nana na oyazala ki délice sanga a commis ça qui scène parlement local là vous savez ngo bango ba biba so misa gestion de passer là quand ils étaient là la sagesse le professionnalisme l'amour la loyauté la sincérité la considération du président Mbosso vis-à-vis de ses collègues sortants. L'Assemblée nationale devrait sombrer dans des conflits impossibles et peut-être ça allait bloquer la machine, il y a fonctionnement, il y a union sacrée. Mais le président Mbosso dira son mandat, il a été au-dessus de la mêlée, c'est quelqu'un qui savait se dépasser au profit d'abord du groupe, au profit de sa famille politique, au profit de ses collègues députés nationaux. Donc, toutes ces affirmations-là ne tiennent pas debout actuellement. Mais je voudrais terminer la question avec un conseil. Je pense que parmi tous ces prétendants, les Congo les a tout donné. Et qu'aujourd'hui, les Congo est confronté à une situation exceptionnelle où l'ennemi veut à tout prix prendre notre pays. Et si en interne, nous continuons à nous fragiliser à cause des positionnements politiques, à cause des ambitions démesurées,
nous risquons de laisser le pays sombrer dans le noir et que le Congo ne va pas s'en sortir. Le Congo ne va donc pas... je le demanderai d'essayer un peu de se dépasser, de revenir à la sagesse du président de la République, que le choix qui sera opéré par le président de la République soit accepté par tous. Et je crois que c'est ça l'essentiel d'être dans l'Union sacrée, c'est ça l'harmonie dont nous avons besoin, la cohésion, l'efficacité, et que nous puissions faire marche ensemble. Mais je pense que pour terminer pour ce sujet et passer à l'autre sujet, mais la grande question reste de savoir, faire aussi savoir à la population congolaise, faire comprendre la population congolaise, est-ce diriger l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est une question de quota politique, comme nous sommes en train de voir dans la formation du gouvernement. Est-ce c'est un quota politique, deuxième force politique ou bien troisième force politique, ou soit la présidence de l'Assemblée nationale dépend de la volonté du chef de l'État? Commençons d'abord par la Constitution. Il est clair que celui qui dirige l'hémicycle, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, doit être l'émanation de la majorité parlementaire. Et pour le cas échéant, la majorité aujourd'hui des députés est entre les mains de l'Union sacrée. Donc, celui qui sera président de l'Assemblée nationale doit d'abord être de l'Union sacrée. Au-delà maintenant de toutes les considérations par rapport à la hiérarchie des forces au niveau de l'Union sacrée, nous avons le pouvoir discrétionnel du président de la République qui doit se choisir avec qui il va marcher. Parce que vous devez savoir que le gouvernement qui conduit la politique du pays est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc si à la tête de l'Assemblée nationale, vous mettez quelqu'un qui ne répond pas aux compétences intellectuelles, compétences morales, compétences sociales, compétences de gestion, vous compromettez aussi la bonne marche du gouvernement et ça sera difficile pour que les programmes du gouvernement s'exécutent au profit du peuple. Voilà pourquoi j'ai dit que les esprits agités se taisent. Les esprits... Le président de la République va opérer un choix, et ça sera un choix utile pour le Congo. Et si ça dépendait de moi, et je pense, c'est ça aussi l'attente de plusieurs Congolais, pouvaient demander à nos députés de faire confiance au président national Mbosso, président national évidemment de mon regroupement politique, mais aujourd'hui président du bureau d'âge et qui sera aussi candidat pour sa propre succession. Et je viens de vous dire ici qu'il a toutes les qualités requises pour diriger le perchoir de l'Assemblée nationale. Et ça reste à voir parce que le calendrier qui a été publié, même la date pour les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale vient d'être suspendu. On attend voir qui va diriger, qui va présider le bureau définitif, qui va présider l'Assemblée nationale. Mais je pense à cette question aussi des reports, il fallait placer des mots. Plusieurs personnes s'improvisent et se substituent à la CENI. L'organisation des élections appartient à un organe connu en République démocratique du Congo, qui est la CENI, comme organe technique d'organisation des élections. Alors, lorsqu'il y a report de date, pour une raison ou bien une autre, nous devons éviter de faire porter ce chapeau-là à celui qui dirige le bureau d'âge. Parce que la compétence ici est d'attribution. Et l'attribution d'organisation des élections revient à la CENI exclusivement et non au bureau d'âge, comme on a tendance à faire croire ça à l'opinion, que le président Mbosso serait dans des manœuvres de bloquer la machine électorale pour qu'il se pérennise au bureau d'âge. Je crois que c'est faux et archi-faux et nous n'allons plus accepter que ces mensonges soient communiqués à notre peuple. Nous viendrons rapidement recadrer les choses et rétablir rien que la vérité. Parce que tout le monde se fixe vers la formation du gouvernement, vers les élections au sein des institutions, mais nous avons oublié le front de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire aujourd'hui. Comment se comportent nos Wazalendo? Quelles sont les observations que nous sommes en train de faire dans la ligne d'attaque de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, la situation des Wazalendo en République démocratique du Congo, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe, maître et secrétaire général Jean-Louis Massimango? Parce que vous parlez des Wazalendo, que je commence d'abord par condamner.
Il y a une vidéo qu'on a vue circuler, dont je mettrai aussi d'ailleurs à votre disposition. Où les Oisalem sont embarqués quelque part dans un avion pour la destination de Kinshasa, dont on ne sait pas pour quelles raisons. Mais je pense que les Oisalem font partie de nos stratégies de combat. Et dont certaines informations ne devraient pas être portées rapidement sur la place publique pour ne pas donner déjà des informations à l'ennemi, à l'agresseur que nous connaissons, qui est le Rwanda. Et je vous certifie ici, s'il y a des groupes armés qui font peur à Paul Kagame et sa gouvernance, ce sont les patriotes résistants Oisalendo, qu'on appelle aussi des Maïmaï. Ce sont des gens qui ne reculent pas lorsqu'il s'agit de défendre la terre de nos ancêtres. Et que voir un militaire filmer les Oisalendo qui sont en train de prendre un avion ou bien un vol pour Kinshasa, semble-t-il qu'ils ont été invités par le pouvoir en place, et publier ça directement dans les réseaux sociaux, je me dis, nous sommes dans quel pays où il n'y a plus de secrets. Même des questions sensibles qui touchent à la sécurité et à la sécurité de l'État, aussitôt fait, nous les retrouvons sur la place publique. Je crois que nos services, que nos forces armées, que notre police nationale puissent suivre cette question de près, et surtout tous nos services d'intelligence, et d'éviter de porter sur la place publique les questions d'État qui touchent à la sécurité de notre pays. Je vais ouvrir juste une parenthèse parce qu'on va revenir sur cette question de Oisalendo. Juste une parenthèse. Aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, par manque de la discrétion au sein de nos services de renseignement, même au sein de notre armée aujourd'hui, l'affaire Eric Kouba qui expose aujourd'hui les Congolais. Il cite des personnalités qui ne sont pas interpellées en amont par la justice congolaise. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas donner la force à l'agresseur de la République démocratique du Congo, Paul Kagame, dire que la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo est une situation intercongolaise. Parmi les modes de preuve par excellence, vous y retrouvez, lorsque quelqu'un est passé aux aveux, vous y retrouvez lorsque quelqu'un fait le témoignage comme étant témoin oculaire d'un événement X ou bien d'un événement Y. Et dans l'exemple que vous venez de citer ici d'Eric Kouba, c'est quelqu'un qui a fait des révélations graves. Et ces révélations-là sont des révélations qui touchent réellement la sécurité de l'État lorsque nous savons que notre pays est agressé. Maintenant, la grande question ici, peut-on être d'accord avec la procédure utilisée par nos services, parce que vous aviez parlé tout à l'heure ici de l'aspect discrétion de nos services. Tout à fait. Est-ce qu'il était important, avant qu'on puisse arriver fin prêt de récolte de tous les éléments qui attestent que les déclarations de celui qui a été arrêté sont des déclarations vraies et vérifiables, et que cela pouvait être porté sur la place publique? Pour ce qui me concerne personnellement, et là ça n'engage pas ni mon parti politique, encore moins les regroupements politiques, mais personnellement, comme Congolais qui aime ce pays, je pense qu'à un certain moment, nos services devraient appliquer la méthode de réserve et de discrétion. Parce que la conséquence ici, c'est laquelle? Le monsieur a cité les noms qui sont connus en République démocratique. Tout à fait. Et que aussitôt quelqu'un est cité dans une affaire d'une grande criminalité, comme ce que nous connaissons en République démocratique du Congo, parce que nous savons, on a déjà perdu plus de 12 millions de Congolais qui sont en train d'être tués en République démocratique du Congo. Et lorsque quelqu'un est cité d'être de mèche, en complicité, en connivence avec les agresseurs, la première des choses, il faudrait activer le mécanisme d'arrestation contre ces personnes citées. Maintenant, nous nous posons la question. Dans l'hypothèse où nos services, notre justice, notre armée ne parvenaient pas à mettre la main sur les cités, est-ce que la population peut encore avoir confiance à tout ce qui sortira de nos services? Point d'interrogation. Nous devons éviter d'aller avec les choses d'une manière vite et en besogne, alors qu'on n'a pas encore réuni tous les éléments possibles pour attester ce qu'on dit. Est-ce que vous imaginez la joie qu'allaient avoir les Congolais? Nos services ont déjà toutes les données
ont tous les éléments de ceux qui sont complices de ces gens. Et qu'ils pouvaient travailler dans toute discrétion et mettre la main sur ces gens-là. Et nous nous réveillons un matin, nous voyons tous ces gens-là qui ont été cités par le monsieur qui a été arrêté, être présenté devant la justice. Ça allait encore renforcer davantage la crédibilité, la sincérité et le professionnalisme du travail dénoncer. Est-ce que vous mettez en cause les déclarations, même les propos du CG Augustin Kabuya de l'UDPS lorsqu'il cite Joseph Kabila comme parrain de AFC qui est Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa? Je ne suis pas porte-parole du président Kabuya. Je suis secrétaire général à l'analyse que vous êtes en train de faire ici. Je suis secrétaire général d'un parti politique et membre de l'Union Sacrée. Le secrétaire général Kabuya est aussi secrétaire général d'un parti. Il est vrai présidentiel parce que le président vient de ce parti politique. Mais lorsque quelqu'un devient président de la République, il est même au-dessus de son appartenance politique d'une famille X ou Y. Donc il revient. Vous voulez dire que vous êtes au même niveau que le CG Kabuya, parce que lui, le CG. Là, vous m'amenez dans un autre débat, mais je vous réponds rapidement. La création des partis politiques au Congo est régie par une loi. Et dans cette loi-là, dans le fonctionnement et organisation, il y a un poste qui est prévu du secrétariat général. Je suis secrétaire général, je n'invente rien. Augustin Kabuya est secrétaire général aussi de son parti politique, il n'invente rien. Donc, n'allez pas dans d'autres considérations politiques de positionnement par rapport au rapprochement avec le président de la République. Mais si nous restons sur les principes, nous sommes collègues et ça ne fait aucun débat. Et le problème n'est pas là et personne ne viendra pas ici dire le contraire de ce que j'ai dit. Maintenant, je reviens à votre questionnement. Parce que le CG Kabuya, qui est le membre du présidium de l'Union Sacrée, et au niveau de l'Union Sacrée, c'est une hiérarchie par rapport à moi. Lorsqu'il donne des révélations, il revient au service compétent, il revient à vous qui êtes les journalistes d'investigation, d'aller lui demander est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou bien ce qu'il a dit est faux. Mais moi, je fais foi aux propos, s'il vous plaît, du secrétaire général Kabuya. Ce n'est pas un politicien de la dernière pluie. Donc, lorsqu'il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit et il sait d'où il tire ça. Par présomption de crédibilité et de confiance, moi, je fais foi à ce qu'il a dit. Mais il ne faudrait pas seulement se limiter à la dénonciation. Il faut arriver à mettre main sur cela qui constitue aujourd'hui un danger permanent pour la sécurité, pour la vie de plus de 100 millions de Congolais. Voilà là où se trouve le problème. J'attends dans plusieurs médias. Tout le monde passait, surtout que tout le monde est devenu aussi communicateur. Lorsque vous vous réveillez le matin, le fait d'aller accompagner tel député ou bien tel président du parti à une activité ou bien une manifestation quelconque, vous vous autoproclamez, vous devenez aussi porte-parole, communicateur, cadre, ainsi de suite. Mais je crois dans la logique de l'art. Ce n'est pas tout le monde qui est autorisé de parler au nom d'un parti politique. Il faut en avoir qualité et droit. Et moi qui vous parle ici, au-delà de ma personne, j'engage le parti politique, ça s'appelle Mpassa, et ce qui sort de ma bouche doit être tamisé, doit passer en tamis, d'abord au niveau de mon parti politique, et être accepté par le bureau politique. Et je vous ai dit ici tout à l'heure que me voir passer donner des affirmations et je crois que je ne serai jamais contredit ni par ma hiérarchie à laquelle je dois faire rapport, c'est-à-dire au président national de mon parti. C'est pour vous dire que lorsque nous passons sur la télévision, ce n'est pas pour faire du théâtre, c'est pour éduquer la masse, c'est pour donner la vraie information et contribuer aussi à l'épanouissement et à l'avancement de la démocratie dans notre pays parce qu'il n'y a que par cette voie-là que nous pouvons consolider les acquis de notre combat d'hier et de l'engagement d'aujourd'hui et la projection du devenir du Congo de demain. Puisque nous parlons de la situation sécuritaire dans l'Est et la RDC, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la province du Sud-Kivu? Avant d'y répondre, j'aimerais un peu enrichir mon raisonnement sur la question de Ouazalendo.
J'ai quelques recommandations à formuler auprès de l'autorité suprême de notre pays, c'est-à-dire le président de la République. Allez-y. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a un bouclier qu'il faut protéger, ce sont les Ouazalènes. Et les laisser travailler dans le désordre, dans l'anarchie, et être abandonnés à leur propre triste sort, je crois que ce n'est pas bien. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse prendre en charge tous ces Ouazalènes qui se battent au front par des moyens de bord. Il faudrait à ce qu'ils soient organisés en nommant officiellement les responsables de ces mouvements de résistance patriotique. Il faudrait que le gouvernement se batte, fustige l'attitude de la communauté internationale de considérer les Ouazalènes comme étant des mouvements de forces négatives, alors qu'ils se battent pour l'intérêt du pays. Et ça, c'est une autre nouvelle forme de colonisation que nous n'accepterons jamais, parce que nous savons que la communauté internationale ne travaille pas pour le Congo, mais plutôt travaille pour le pillage de nos minéraux en passant par Rwanda, téléguidé par Kagame. Et au jour d'aujourd'hui, cela doit être connu de tous et nous devons être soudés comme un seul homme pour barrer la route à cette nouvelle aventure de Paul Kagame. La situation Je reviens à la question du Sud Kivu. Je pense, si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce qui bloque la province du Sud Kivu, vous serez surpris que je vous dise que la province du Sud Kivu est bloquée par les propres fils du Sud Kivu. En commençant par l'autorité morale de l'AFDCA, l'autorité morale de l'INC. Et malheureusement ou heureusement, tous ce sont de la même tribu, la tribu Chi. Alors que nous avons plusieurs communautés qui constituent la province du Sud Kivu avec presque 8 territoires. Mais comment expliquer ces deux personnalités politiques connues de notre pays? Il n'y a que eux ou bien elles comme personnalité qui doivent décider sur le sort du Sud Kivu. Ce qui est notamment Vital Kamerhe. Vous aviez suivi le scénario récent. Lorsque Ngouabidje était à la tête de la province n'a bénéficié de rien. Parce que tout le mandat est passé dans la résolution des conflits entre les gens de l'AFDCA et les transfuges de l'AFDC qui sont devenus de l'IDPS. Et la province n'a rien gagné. Et le même scénario a tendance de se répéter aujourd'hui. Pour gérer la province du Sud Kivu, il faudrait avoir la volonté de ces deux personnalités qui ont pris à un certain moment aussi la province en otage. Or, lorsque vous évaluez leur bilan, comparativement aux leaders du Nord Kivu, vous donnerez raison à l'honorable Bitakwira qui avait dit que la province du Sud Kivu, c'est une toilette. Et pourquoi c'est une toilette? Parce que ces personnalités dont je viens de citer ici, qui ont occupé des postes de responsabilité JT dans ces pays, mais qui n'ont rien contribué pour la province du Sud Kivu. Est-ce que faut-il continuer ainsi? Je voudrais dire à notre jeunesse de s'inspirer du président sénégalais qui a amené la politique de rupture. La province du Sud Kivu aussi doit appliquer la politique de la rupture totale avec ces caciques qui ont mis la province dans cet état et dont je venais de vous citer ici. Et je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Et ils sont témoins et ils auront l'occasion de nous suivre. La province ne peut pas être prise en otage par le président Vital Kamerhe, ne peut pas être prise en otage par le président Bahati Lukwebo. Mais Vital Kamerhe qui a dit qu'ici n'a pas la gouvernance de Sud Kivu, Goma serait tombée. Je pense, j'avais suivi aussi ses propos, mais ce sont des propos graves qu'il faudrait que nos services Balandelango Malamo, si c'est vrai, il faut vraiment nos services Balandelango Malamo. On ne peut pas être éternel au pouvoir. Chaque chose a un temps. Si vous aviez déjà dirigé et que vous aviez échoué à apporter le développement de votre entité. Mais il faut accorder la chance à une autre génération. Et aujourd'hui, la province du Sud Kivu, il y a une nouvelle génération. C'est la génération de mon président du parti politique, le camarade Maître Dodo Lutombo Isanda, qui fait aujourd'hui l'unanimité de tous les désespérés de la province du Sud Kivu pour construire un nouveau leadership. Et il en a qualité, il en a compétence, et il est accepté par ses pairs de la province.
Donc, je voudrais lancer un message d'abord d'apaisement, mais aussi de l'autocritique de nos leaders. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Sud Kivu? Ils ont occupé des postes depuis Mobutu. Ils ont occupé des postes pendant Mouzé. Ils ont occupé des postes pendant Joseph Kabila. Ils ont occupé des postes pendant le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Et ils continuent à en occuper jusqu'à aujourd'hui. Mais la province du Sud Kivu a bénéficié de quoi? Pour quitter Bukavu, qui est le chef-lieu, arriver à Uvira, il faut passer par les Rwandais. Oh, quelle humiliation, quelle honte. Alors que nous avons le ministère des ITPR, nous avons le ministère des Budgets, nous avons le ministère de l'Économie, nous avons le ministère de l'Industrie, nous avons dans nos petites et moyennes entreprises, ainsi de suite. Si vraiment on pouvait me poser la question, je me rabattrai encore à la Bible qui dit dans ma langue maternelle « Nina nyalie waloga watoto wasid kivu » Qui vous a ensorcelé, vous les ressortissants du Sud Kivu? C'est qui? Je pense que c'est une grande question où la population congolaise et même ceux de Sud Kivu vont s'interroger et vont trouver des réponses adéquates pour pallier à cette situation. Déjà, nous sommes arrivés à la fin, mais nous allons terminer par cette question aujourd'hui qui fait mal, les invalidés à la Cour constitutionnelle. Où en sommes-nous? Je suis content et je me sens à l'aise de répondre à cette question. Voilà pourquoi je voudrais rapidement recourir à la loi. Je suis un praticien du droit et lorsqu'il y a des questions qui touchent à la plus haute juridiction de notre pays, je dois appuyer mon argumentaire sur les fondements juridiques. Nous avons deux phases dans la publication des résultats et la validation de ceux qui ont été élus. La première phase revient à l'organe technique qui est la CENI. Voilà pourquoi on appelle cette publication-là des résultats provisoires. Et nous avons la dernière phase qui revient au juge électoral. Et pour ce qui concerne les députés nationaux, c'est le juge de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous prenez l'article 168, je crois que je n'abuse pas ma réflexion en donnant un faux article. Je dis bien l'article 168 de la Constitution, qui est le fondement juridique du caractère définitif des arrêts une fois rendus par la Cour constitutionnelle et ne peuvent plus faire objet d'un quelconque recours. C'est ça le principe. Est-ce que la Cour constitutionnelle, pour ce qui concerne les élections, a déjà rendu son arrêt définitif? La réponse est oui. Et au cours de ces arrêts définitifs, il y a eu des députés qui ont été invalidés et d'autres qui ont été validés après avoir vidé la question des fonds et des formes sur toutes les irrégularités qui ont entaché la publication provisoire de ceux qui ont été invalidés, mais qui étaient validés au niveau de la CENI. Et là, je viens de vous dire que les arrêts ont déjà été rendus. Mais lorsque j'en arrive, lorsque vous prenez aussi l'article 93 de la loi organique, vient encore renforcer le caractère définitif et non susceptible de recours des arrêts qui sont rendus par la Cour constitutionnelle. Mais le législateur est plus savant et plus malin. Lorsque vous revenez à la loi électorale telle que modifiée le 29 juin 2022 par notre Assemblée nationale ici, tout à fait, du premier mandat du président Félix Tshisekedi, vous prenez son article 74. C'est cet article-là qui donne l'ouverture de la manière dont on peut déposer des requêtes pour solliciter à ce que l'erreur matérielle, s'il y en a eu, soit corrigée par le même juge électoral qui est le juge de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous lisez cet article, qui prévoit en principe l'erreur matérielle n'a aucune incidence
sur le dispositif, sauf sur les questions d'inexactitude avérée des chiffres, la première possibilité. Inexactitude avérée des chiffres ou lorsqu'il y a eu vice de transcription des chiffres. Voilà les deux hypothèses qui peuvent nécessiter à ce que l'erreur matérielle, lorsqu'elle est prouvée, que la Cour constitutionnelle, comme étant juge électoral, puisse revenir sur son arrêt. Voilà les deux possibilités. Mais comme maintenant technicien ou bien praticien, je vous ramène dans la pratique ce qui s'est déjà passé dans notre pays. Vous vous souviendrez de l'arrêt qu'on appelle aujourd'hui arrêt Théodore Ngoï, qui était parti en contentieux contre le président Félix Tshisekedi, qui était élu avec plus de 70%. Et que dans cet arrêt, lorsque vous lisez très bien, le pasteur Théodore Ngoï, candidat malheureux de l'époque, n'a jamais été devant la Cour constitutionnelle contre Matata Ponyo, contre Moïse Katumbi, contre Denis Sengwa, contre Sekou Kikuni et contre tous les autres qui étaient candidats. Mais c'était contre le président Félix Tshisekedi. Mais voyez maintenant ici la beauté du droit. Lorsque vous lisez bien cet arrêt-là, vous retrouverez, d'ailleurs, je vous lis ça, vous m'excuserez pour le temps. C'est une façon qui va permettre à ce que notre population puisse mieux comprendre ce qui se passe pour éviter à ce que ceux qui sont maçons le matin deviennent constitutionnalistes le soir, ceux qui sont architectes la journée deviennent spécialistes des questions électorales la nuit. Et ça crée une confusion totale et du toi-boui. Et il n'y a pas longtemps, il y a de cela deux jours, je venais de suivre quelqu'un qui est au service, je crois, protocolaire du président de l'AFDCA, qui est passé sur une chaîne de la place pour raconter sa vie sociologique qui ne cadre ni de près ni de loin avec les aspects juridiques. J'ai voulu un peu l'arrêt en question dont nous disons que c'est l'arrêt. C'est l'arrêt Théodore Ngoï. Il a dit ceci. Le juge de la Cour constitutionnelle, comme juge électoral, elle doit vérifier l'authenticité, la sincérité du scrutin, en assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'il peut rectifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou de fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux en cas d'un recours déclaré infondé. Voilà pourquoi vous aviez vu, lorsqu'il fallait donner une nouvelle classification des voix obtenues par chaque candidat, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dans les contentieux qui opposaient Théodore Ngoï comme candidat au président élu Félix Tshisekedi, les autres candidats ont vu leur voix être réduite en baisse. C'est pour vous dire, la magie du droit voudrait que lorsque quelqu'un est attaqué et qu'il est sur une liste électorale, c'est toute la liste qui est concernée. Donc, les et je vous ramène, mais là j'en arrive. Parce qu'en droit, il faut être plus pratique. Je prends seulement l'exemple de la circonscription de Kabare, où il y avait 4 sièges à pourvoir. Et que, après le résultat définitif de la Cour constitutionnelle, la publication, l'enfant du patron de l'AFDC, l'enfant du guide suprême de l'AFDC, l'enfant de l'autorité suprême ou bien spirituelle de l'AFDC, s'est vu invalidé au profit de quelqu'un d'autre. Je cite ici l'honorable Claude Nyamugabo, à qui j'ai dit coup de chapeau parce qu'il était réellement réélu et que la Cour constitutionnelle lui a remis que dans son droit et n'a fait que son travail. J'ai suivi certains historiens de l'AFDC passer à la télévision, dire comment expliquer. On n'a jamais été notifié d'un recours quelconque qui était déposé contre Serge. Et comment expliquer?
Serge, qui était parmi les quatre élus proclamés par la CENI, peut être invalidé par le juge électoral qui est le juge de la Cour constitutionnelle. Je vous dis à chacun son travail. Si Dieu vous a donné l'inspiration de connaître la Bible, limitez-vous aux prophéties. Si Dieu vous a donné la connaissance d'être architecte pour construire des maisons et faire des conceptions de maquettes, il faut se limiter là-bas. Le droit est un domaine purement aussi technique et professionnel. Lorsque celui qui a été validé par la Cour constitutionnelle introduit sa requête, la requête là ne concerne pas seulement celui qui a été cité par le requérant. Et je viens de vous le démontrer ici par l'arrêt qu'on appelle aujourd'hui l'arrêt Théodore Ngoï. Et si vous entrez dans les fonds pour la circonscription de Kabare, vous retrouverez l'honorable Claude Nyamugabo avec son regroupement politique, je crois c'est ADCA. Avec plus de 17 000 voix. Et dont lui-même avait 15 000 voix sur les 17 000. C'est pour vous dire que sur la liste de son regroupement politique, il était le mieux élu. Et que la Cour constitutionnelle, dans ses attributions, après avoir checké le résultat de l'ensemble de la liste, trouve qu'il y a eu des irrégularités au niveau du siège accordé par l'enfant du guide suprême à l'enfant de Guide suprême de l'AFDCA. Mais ils disent que Claude Nyamugabo avait attaqué celle qui est ministre du Travail aujourd'hui, Ndoussi Nkembe. Il n'avait pas attaqué Serge Batti. Pourquoi je ne sais pas. Serge Batti? Ok. Voilà la même compréhension de Larry, excusez-moi de le dire, des gens qui ne connaissent pas les droits. Je venais à peine ici de faire allusion à l'arrêt Théodore Ngoï. Théodore Ngoï n'a jamais attaqué Constant Mutamba, n'a jamais attaqué Martin Fayoulou, n'a jamais attaqué Moïse Katumbi. Mais comment les candidats non attaqués dans l'arrêt se sont vus leur voix être réduite? Voilà la beauté du droit. Voilà, merci beaucoup. Voilà la beauté du droit. Et j'ai fini. Je vais aller plus loin. À part les révélations ici dont je viens de vous faire. Lorsque vous suivez de près, l'élection au niveau de la circonscription de Kabare était entachée de plusieurs irrégularités jusqu'au point où quelqu'un est mort là-bas à Kabare. Qui est mort? Et le PV existe. Et dans ce PV-là, la responsabilité est bien établie. Et je vais vous donner le PV parce que ce n'est pas un secret. Tout à fait. Ou les OPJ, il y a des PV qui existent. C'était un cas isolé que j'ai pris pour vous démontrer que nous devons éviter dans notre pays d'être un tout pour tout. Nous devons éviter de nous substituer à un autre service dont vous n'avez pas qualité et compétence. Et les exemples sont légions. Ce n'est pas seulement pour la circonscription de Kabare. À l'invalidation de Serge Batti, alors qu'il n'a jamais été attaqué dans la requête. C'est ce que je venais de faire et je crois que ce n'est pas difficile à comprendre que nos amis s'apaisent. Et puis autre chose, vous voulez que le ciel tombe sur la terre. Ce qui a l'équité, ma poste pèse à Ebélé. Comme c'est à ta ministre, il n'y a pas au Messana. Olekisa, moine, cousin, cousine, beau-frère, gendre, ainsi de suite. Mais déjà, il y a déjà des soupçons. Il y a moine, moko, il y a autorité, moko, vous avez déjà ministre, nakati, à gouvernement, Toulouka, et soumis, noir, et Zalikobima. Là, j'ai fait aussi appel à la sagesse du président de la République. Quand même, nous ne sommes pas venus accompagner les enfants d'abord en politique. Nous méritons aussi des postes et des responsabilités dans ce pays. Et les intelligences pour aider le pays ne sont pas l'apanage. Il y a progéniture, il y a X ou bien Y. Et lorsque vous surveillez bien la partie politique dans Bangwana, il n'y a que Bana na Bango, na gendre na Bango. Donc, lorsqu'il faut faire la guerre, nous la faisons ensemble. Lorsqu'il faut bénéficier des fruits de la guerre, et Komi, et Loko, ou bien Gato et Alibota, cette histoire-là doit terminer. Le Congo est à nous tous et nous devons tous bénéficier du fruit de ce pays. Voilà. Et je crois qu'il est temps que la jeunesse s'élève
et opte pour la politique de la retire. Ce n'est pas un royaume, ce n'est pas non plus une affaire familiale, c'est une affaire de la République. Merci beaucoup, CG. C'était le CG Jean-Louis Massimango du parti politique Mpassa. Aujourd'hui, ils sont aussi dans l'Union Sacrée, mais déjà, dans le gouvernement Kobima, c'est pas ça, pas du moins pas. Bon, je vous ai dit, les choses sont tellement structurées au niveau de l'Union Sacrée. Notre regroupement a eu des députés, donc nous avons aussi droit à la fonction Oyo Mokonziamboka à couper sa lobby. Ton premier ministre a coupé sa lobby. Je n'aimerais pas ici réduire les débats au niveau seulement d'un passant. Je voudrais bien parler des efforts de tout un groupe. Lobby, et ces efforts-là doivent être récompensés. Bimi, ben institution Bimi, vous s'est retrouvé, vous s'est rebellé contre. Je crois que passant doit être respecté et félicité dans les locaux au lobby parce que nous ne sommes pas partis à l'Union Sacrée d'abord pour les postes. Voilà pourquoi nous ne faisons pas partie de la comptabilité du premier mandat. Nous sommes comptables du second mandat du président de la République. Oh, et voilà pourquoi nous passons le salami Union Sacrée na FCC Bazalaka déjà. FCC cache plutôt Bazalaka déjà. Union Sacrée peut être salami na moi 2 ans ou 3 ans. Au Mokonziamboka Salaki, biso tuzalaki na été. Toye pour accompagner Mokonziamboka à partir du deuxième mandat. Na et je ne cesse pas de le dire, nous avons intérêt de travailler et éviter réellement les erreurs du passé. Parce que si nous ne travaillons pas bien, nous sommes en train de compromettre le sort de celui qui sera le dauphin du président de la République demain. Et peut-être, je pouvais bien souhaiter que ce soit moi. Donc, il faudrait que les amis qui sont avec nous dans l'Union Sacrée, nous puissions travailler bien et bon pour l'intérêt de notre peuple. Merci beaucoup, CG Jean-Louis Massimango. C'est moi qui vous remercie et je remercie toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup.